Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Désolée pour le délai. C'est la lecture d'âme générale pour aujourd'hui, mardi le 19 novembre 2019. Donc, vous savez, hein, j'aime beaucoup les nombres. Bonjour Sandra. Aujourd'hui, c'est le 19, puis au tarot, c'est le soleil. Donc, c'est vraiment une très belle journée pour moi, avec la force comme moi. Et puis, je trouve que ça fait un bel amalgame. Donc, bonjour Virginie, bonjour Myriam. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Je voulais aussi, ben, c'est sûr que quand je fais des mini-lectures d'âme, des lectures d'âme générales comme ça, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, peu importe. Bonjour Claire. Bonjour Jocelyne. Donc, c'est des lectures générales. Donc, je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre, puis je vous transmets ce dont je perçois pour l'évolution. Moi aussi, je suis contente de te voir, Sandra. Bonjour Kikou, Claire. Donc, c'est vraiment cool. J'aime ça me connecter en direct comme ça, puis vous, je vous ressens, je vous perçois même à distance. Bonjour Nancy. Donc, toutes les belles âmes qui sont là aujourd'hui. Donc, quand je fais des lectures générales comme ça en direct, ben, c'est ça, je me connecte avec le plus grand nombre, puis je vous transmets ce que je perçois. Pour votre évolution, taux guérison. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je fais aussi des lectures personnalisées, des lectures d'âme qui sont juste pour vous. J'ai plusieurs façons de faire. C'est soit des mini-lectures d'âme. Bonjour Lynn, bonjour Nathalie. Donc, comme je vous disais, c'est toutes des belles âmes qui se connectent aujourd'hui. Mais qui se connecte toujours à mes vidéos de toute façon. Oui, donc, puis quand je suis avec vous personnellement, ben, il y a différentes façons de faire. Soit que je vous fais une petite mini lecture d'une dizaine de minutes que je vous envoie par audio, soit qu'on se connecte ensemble pendant une heure minimum. Et puis, je vous transmets tout ce que je perçois durant cette heure-là. Je réponds à vos questions, tout ça. L'autre chose aussi que je fais, que j'adore faire également, c'est des soins avec son guidé, hein? Les médecins du ciel, les énergies viennent, les êtres de lumière, les anges, tout ça pour transmettre ce dont vous avez besoin. Au début du soin, on clarifie ensemble c'est quoi que vous voulez améliorer dans votre vie, les guérisons à faire, les libérations, etc. Et par la suite, ben, ce qu'on fait, c'est que on demande aux énergies, aux êtres de lumière de venir et de vous vraiment faire des soins sur vous. Puis là, moi, je sers d'interprète, je vous dis ce qui se passe au niveau de la voyance, du ressenti, où est-ce qu'ils travaillent, pourquoi. J'aime beaucoup si je peux avoir la source des choses aussi. Des fois, on a des mal à certains endroits. Il y a souvent des gens qui vont savoir. Fouler une cheville, par exemple, puis ils vont aller travailler à cet endroit-là. Je trouve ça magnifique parce que la personne m'en a pas nécessairement parlé, puis là, ils travaillent là, puis oups, c'est un problème au niveau d'un pied, d'un, tu sais. Bon, des fois, ils travaillent à certains endroits, puis c'est une conséquence de d'autres blessures qui ont été là aussi avant. Donc, c'est vraiment magique ce qui se passe dans les soins. Puis j'ai aussi les bains de cristal. Le bain de cristal, en fait, c'est ben, vous baignez dans une énergie cristalline. Ça peut être fait à distance, tout ce que je vous dis, là. Je travaille 95% du temps à distance, même plus. Bonjour Daniel, bonjour Carole, bonjour Yves, bonjour Ginette. Donc, toutes des belles personnes. Je voulais vous faire part aussi qu'aujourd'hui, j'ouvre officiellement. Je commence les prédictions, en fait. Je commence à accueillir vos demandes pour les prédictions 2020. 2020. Donc, vous savez qu'à chaque année, je commence en novembre, puis ça va jusqu'à peu près en février. Donc, j'ai beaucoup de travail à ce niveau-là. Merci, mon Dieu. mais en même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez l'avoir le plus rapidement possible, ben, il faut faire votre demande. Puis la demande, c'est par achat. Là, sur mon site Internet, il n'est pas encore fonctionnel. Il devrait l'être d'ici quelques jours. Mais vous pouvez toujours
procéder par virement ou je vous envoie tout simplement pour les gens qui sont en Europe une facture PayPal, puis vous allez la payer. Vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle, vous allez voir tous les détails à ce niveau-là. Je vais toucher l'amour. Quand je parle d'amour, hein, ça peut être au niveau de l'amitié, des passions, c'est pas juste au niveau amoureux, ça peut être peu importe ce qui est touché au niveau de l'amour dans votre année. Ça peut être ben, la santé, bien entendu, mais quand je parle de santé, je ne vais pas vous diagnostiquer quelque chose. Je ne suis pas un docteur, mais c'est plus au niveau énergétique. Bonjour Antonella. Bonjour Francine. Il y a deux Francines, donc coucou les deux Francines. Daniel, je ne me souviens pas si je t'ai dit coucou. Donc, si je vous nomme pas, c'est juste parce que je vous ai pas vu. Donc, c'est ça. Je vais toucher aussi le domaine des finances, santé, abondance. Donc, puis je vous demande de me poser une question. Donc, vous m'envoyez une question par courriel que vous aimeriez que je vous réponde. Puis, le tour est joué. Donc, je vous transmets ça par audio, par courriel. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez être dans les premiers, ben, je vous dirais, dépêchez-vous à acheter, soit me contacter pour faire le paiement ou aller sur ma page professionnelle. Vous allez voir, j'ai tout mis les détails. Puis ceux et celles qui sont inscrits à mon infolettre, vous avez reçu un infolettre ce matin. Bonjour José. Donc, je suis très, très heureuse de vous voir aujourd'hui. Donc, je vais procéder à la lecture générale. Je vous demanderai de vous centrer. On va se centrer au niveau du cœur. Visualisez, ressentez, entendez votre étincelle divine au niveau du chakra cœur s'activer et prendre de l'expansion pour devenir comme un soleil, votre soleil divin intérieur. Sans rien forcer, laissez-le vraiment rayonner le plus que vous le pouvez dans l'ici et le maintenant. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent également et prennent de l'expansion pour devenir aussi large que votre chakra du cœur. Donc, vous vous voyez comme un pilier de lumière. En dessous de vos pieds aussi, jusqu'au cœur de la terre-mère, au-dessus de votre tête, à la source. Donc, si vous pouvez à l'infini, tant mieux. Mais le plus que vous allez activer, et quand je vous conseille de rester dans ce rayonnement tout au cours de vos journées. Le matin, prenez conscience, éveillez tout ça et restez là-dedans. On va se refermer au cours de la journée. Peut-être voir si vous êtes encore dans votre rayonnement. Donc, c'est comme ça que vous allez attirer le maximum d'abondance à tous les niveaux dans votre vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau. Peu importe, tu sais, au niveau émotionnel, au niveau des relations, l'abondance à tout point de vue. Donc, quand vous êtes dans votre rayonnement, vous avez créé votre espace sacré à vous et vous êtes protégé divinement, même si on n'aime pas dire le mot protection, là, mais c'est quand même ça. Là, présentement, je vois qu'il y a quelqu'un qui fait face à quelque chose, une relation avec une mère. Je vois beaucoup le saint, l'archétype de la mère qui est présent. Certains ont besoin de travailler avec l'énergie, l'archétype de la mère à l'intérieur d'eux. Il y en a d'autres que c'est vraiment, ils ont eu des problèmes dans leur enfance avec la mère, le côté maternel. Donc, on va demander au moi supérieur d'apporter paix, guérison à ce niveau. Demandez au moi supérieur, au guide. Et s'il y a quelqu'un d'impliqué, votre mère, par exemple, ou si c'est que vous, en tant que mère, c'est correct, mais s'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué, demandez le moi supérieur. Et les guides de l'autre personne aussi, puis rétablissez l'harmonie entre vous en énergie. On n'est pas obligé
d'aller faire un câlin puis de se rencontrer physiquement quand on réharmonise, mais au niveau des âmes, au niveau du moi supérieur, pour éliminer toute forme de karma. Donc, on ramène l'harmonie. Il y a d'autres personnes aussi que je sens que vous avez besoin d'aller toucher plus la créativité également. Donc, ça serait bien de voir qu'est-ce qui vous interpelle au niveau créatif. Bonjour Debbie, bonjour Sophie, bonjour Cynthia. Donc, bonjour Rosa. Donc, c'est ça, au niveau créatif, qu'est-ce qui vous interpelle? Donc, si vous avez la difficulté à communiquer, à apprendre, peut-être que vous avez un enfant qui est autiste ou qui a des difficultés d'apprentissage quelconque, amenez-le ou elle ou lui à exprimer davantage sa créativité. Ça va vraiment les aider à ce niveau-là. Donc là, je vais aller voir au niveau des cartes. Bonjour France, bonjour Sophie. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Comme je disais tantôt, pour ceux et celles qui veulent avoir leur prédiction 2020, j'ai commencé aujourd'hui, j'ai ouvert les portes à ce beau monde que je côtoie à chaque année, que j'aime beaucoup. J'ai deux façons de faire hein, cette année. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Sur mon site Internet, il y a les prédictions annuelles écrites où je vais toucher à l'astrologie, la voyance et le tarot. Ça, c'est un petit peu plus long, par contre, parce que ça me prend quand même un certain temps à faire. Il faut que je l'écrive, tout ça, puis je le reçoive. Donc, c'est un petit peu plus long. Mais pour les prédictions annuelles audio, comme d'habitude, il n'est pas encore sur mon site, lui, par contre. Mais vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle ici, là, Facebook. Il est là. J'ai mis de l'information. Et puis, j'ai aussi dans mon infolettre, là, vous allez voir l'infolettre qui est là. Tous les détails sont là. Fait que vous pouvez soit me demander une facture PayPal si vous la voulez tout de suite. Mais d'ici quelques jours, ça devrait être sur mon site Internet, là. Faites-vous-en pas. Mais c'est sûr que plus vite vous faites l'achat, moi, j'y vais avec ben, les virements puis les paiements que j'ai. Puis ceux qui m'ont répondu aux questions, qui m'ont envoyé leurs questions, là, je demande une question pour. C'est sûr que je vais parler amour, finances, santé, là, mais aussi la question. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, ce que ça me dit, oh, on a l'énergie de Kuan Yin qui est présente. Aussi l'énergie de la nature, l'homme vert. Donc, bon, d'un côté, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise pour pouvoir exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Il y a comme un côté, soit vous avez reçu de votre éducation. Ou c'est vraiment du copier-coller des gens proches de vous, de votre entourage. Il y a un côté autoritaire qui est là, un côté qui est peut-être un petit peu trop rigide, qui a besoin d'être, je dirais, lâché prise pour pouvoir couler encore plus avec le flot de la vie, de l'énergie. On voit ça, je le remarque souvent, les gens, vous êtes beaucoup, je dirais, dans le sérieux. C'est comme si ouais, la vie, tu sais, vous amenait. Ben, c'est correct aussi, là, je ne suis pas dans le jugement, mais ça vous empêche de recevoir à certains niveaux. Donc, essayez de voir comment vous pourriez éventuellement, tu sais, être dans un espace plus libre, moins structuré, mais en même temps, il faut être structuré, là, c'est pas ça que je dis, c'est que on se met souvent des limites, des obstacles, des barrières, et que ce soit au niveau du mental ou que ce soit au niveau de l'émotionnel, donc je vois que peu importe toute forme de lâcher prise qui
vous parle dans l'instant présent va vous amener à matérialiser davantage, je dirais, d'abondance au niveau matériel puis financière aussi. Moi, ce que j'ai appris dans ma carrière, dans mon travail depuis 11 ans à peu près, là, depuis 2008, ouais, ça fait 11 ans que j'ai parti mon entreprise. Puis plus je lâche prise, plus je me laisse guider par l'univers, la vie, mon intuition, appelez-le comme vous voulez, votre moi supérieur. Plus je me laisse guider par mon moi supérieur, plus je suis vraiment tout le temps le flow. Puis c'est ça que je me rendais compte aussi. L'argent, ça, c'est une énergie, puis l'énergie circule. L'énergie ne bloque pas. Si ça bloque, c'est que c'est vous qui le bloquez d'une façon ou d'une autre. Donc, faites des lâcher-prise. Ça va vous amener vraiment à exprimer davantage ce que vous avez besoin puis ce que votre moi supérieur veut que vous exprimiez. Il y a de la douleur aussi qui est là présentement pour certaines personnes. Donc, on vous demande de ramener l'harmonie. Quand il y a de la douleur, quand il y a des souffrances, quand il y a de la résistance, des blocages, c'est qu'à quelque part, il y a une disharmonie intérieure. Vous savez que je l'ai déjà répété, mais je le répète, là, une cellule qui n'est pas en harmonie défait tout l'écosystème complet. Hein? Donc, ramener l'harmonie. Là où il y a de la douleur, c'est qu'il y a de la résistance. C'est que ouais. Donc, même au niveau des maladies. Donc, ayez foi, ayez confiance. Invoquez les énergies nécessaires pour vous aider. Ça peut être tout simplement. Moi, c'est sûr que ce que je vous conseille d'abord, c'est d'essayer avec votre amour intérieur. Parce que je pense qu'on doit apprendre à être autonome à tout moment. Bonjour Cécile, bonjour Sylvie, bonjour c'est ça, Sylvie. Nathalie, bonjour Nathalie, bonjour France. Donc, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de votre chakra du cœur. Vous allez voir l'amour hein, dans votre chakra cœur. Puis apportez cet amour-là, distribuez-la, là où il y a un manque. Parce que vous allez remarquer, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas par mon expérience, c'est pas une vérité infuse. Je ne diffuse jamais de vérité infuse. Il faut toujours aller voir à l'intérieur de vous si ça vous parle. Mais pour ma part, c'en est une. Ce que je fais, c'est qu'il y a des endroits hein, dans notre corps où on a moins apporté d'amour hein, à certains moments de notre vie. Puis là, il y a des risques d'avoir des problèmes au niveau physique, éventuellement des malaises et maladies. Donc, mais apporter de l'amour à ces endroits-là, il y a peut-être une partie de votre corps que vous aimez moins. Donc, mais apporter de l'amour. Puis, il n'est jamais trop tard pour bien faire, même s'il y a des amas négatifs à certains endroits dans votre corps, puis que là, il commence à avoir de la douleur. Puis ça peut être aussi au niveau émotionnel ou autre, là, on n'est peut-être pas juste dans le corps physique, ça peut être dans d'autres corps. Mais apporter de l'amour à ces endroits-là, demandez à votre moi supérieur de vous guider. C'est sûr que quand les problèmes sont très, très accrus, ça peut être difficile. Puis là, je vous dis, OK, invoquez des énergies extérieures. Des anges, des archanges, peu importe si vous croyez à certains maîtres ascensionnés qui peuvent vous aider dans la guérison. Je sais que Maître Hilarion, c'est un maître invoqué pour la guérison. Dans tous les anges et les archanges, on ne se trompe pas. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Donc, ils vont éveiller l'amour en vous, fait que l'amour guérit. Donc, mais en même temps, je vous juge pas si vous n'êtes pas capable d'y arriver seul par votre propre amour. Invoquez, demandez de l'assistance, faites-vous aider. C'est pour ça que quand on fait des soins énergétiques, en tout cas pour ma part, je suis alignée
Ben, j'essaie de l'être le plus possible au cours de la journée, mais quand je suis vraiment dans des consultations, là, il y a un alignement parfait qui est là. Sinon, je ne le ferai pas. Et puis, cet alignement-là fait en sorte que je suis là aussi. Puis on va évoquer les anges, les archanges, tout ça, mais par la présence de quelqu'un d'autre qui est aligné, ça vous réaligne. Ça a été prouvé, hein? Maintenant, au niveau de la science, là, j'aime beaucoup Greg Braden, qui est un auteur américain, je crois, oui. Et puis, lui a écrit plusieurs livres. Moi, j'écoute une de ses séries que j'aime beaucoup sur Gaïa TV, et c'est Missing Links, Chaînon manquant en français. Puis, il explique vraiment, tu sais, que ça a été prouvé scientifiquement que c'est pour ça que les soins marchent à distance. Quand on travaille sur une cellule, tu sais, bon, on va aller, il va avoir une influence sur les autres qui sont à proximité ou peu importe. Si on émet une intention, puis là, on est dans un alignement, puis on croit à la guérison de l'autre, ben c'est clair qu'il y a quelque chose là qui se passe. Donc, puis en même temps, ce que ça me dit, c'est n'oubliez pas d'aller dans la nature. Moi, hier, c'est sûr que là, aujourd'hui, il neige, il fait moins, mais hier, il faisait un super soleil. Donc, j'ai pris le temps d'aller m'intérioriser, méditer au soleil hier matin, même si c'est l'hiver, je mets mes bottes, je m'habille, puis je vais à l'extérieur. Ça fait tellement un grand bien de remplir nos poumons d'air frais. Donc, l'énergie de la nature est là pour aider. Faites attention, il pourrait avoir un déséquilibre. On ne sait pas trop le mental, l'émotionnel. Donc, c'est à faire attention. C'est pour ça qu'on vous demande, ressourcez-vous. Prenez le temps parce que des fois, il y a comme, je vois qu'il y a des lignes qui sont très minces pour beaucoup d'entre vous. Parce que ça va vraiment à une vitesse très accélérée au niveau de l'énergie présentement. Et puis, c'est ça. Là, je veux juste terminer parce que je vois beaucoup de mes amis Facebook qui vivent des morts. Puis, je ne suis pas là pour juger. Mais quand même, il ne faut pas oublier une chose. Quand quelqu'un décide de faire une transition, elle a décidé, c'est son âme qui a fait le choix de passer de l'autre côté pour une raison X, Y, qui est sûrement merveilleuse parce que le choix a été fait. Donc, je pense que c'est de notre devoir en tant que personne qui reste de ce côté-ci, d'envoyer amour et lumière vers ces personnes-là. C'est leur choix. De passer vers la lumière, de faire des transitions. Je comprends que l'humain, l'ego, la personnalité peut vivre des manques. Je comprends aussi que l'humain, l'ego, la personnalité peut être blessé, être en colère. Mais en même temps, quand on se reconnecte avec le moi supérieur, le moi supérieur, puis là, je sais pas, j'ai vécu des morts, mais ça a toujours été assez facile pour moi jusqu'à présent. Puis je suis pas là pour juger personne, mais reconnectez-vous avec votre moi supérieur. Ça va vous aider à faire des choix, faire des choses, en fait, prendre des décisions qui vont être plus alignées avec votre cœur. Ça l'aide. Parce que souvent, tu sais, on ne sait pas pour quelle raison les personnes, oui, ont fait un choix, mais en même temps, ils ont peut-être encore des trucs à régler. Puis quand on continue à envoyer de l'énergie, pareil comme quand quelqu'un décide de faire le choix d'expérimenter la maladie. Si la personne décide d'expérimenter ça, puis nous, on envoie davantage d'énergie négative, puis c'est pour ça que je vous en parle, parce que je vois que c'est beaucoup là dans l'énergie. De la tristesse, tu sais, peu importe ce qu'on envoie, ben ça l'aide pas tant que ça. Pourquoi? Parce que on est vulnérable à ce moment-là, puis
en plus de nous qui devons comme aller davantage vers notre lumière, puis on a de la difficulté parce qu'on est quand même dans une expérience de maladie, ben là, si on reçoit davantage cette énergie, d'énergie négative, puis en même temps, tu sais, toute cette expérience là, mais d'énergie négative de l'extérieur, hi boy, que c'est plus difficile. C'est la même affaire quand les personnes décèdent. Puis, tu sais, je comprends, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi il y a comme une partie de nous qui est comme dans la tristesse pour X, Y raison. Donc, c'est pour ça que je vous dis, essayez de li vous libérer le plus de vos trucs, de vous aligner vers votre lumière intérieure avant de faire le passage. Puis, c'est ça. Donc, quand on passe de l'autre côté, je dirais que c'est sûr que le passage de l'autre côté est peut-être un petit peu plus facile après parce qu'il y a des êtres qui sont là de lumière qui viennent nous accueillir, les anges, tout ça. Donc, on baigne, puis quand on médite, hein, on se retrouve là. Donc, on le sait, hein, on est dans une énergie de grâce, tout ça. Mais quand on est dans la maladie sur Terre, ouh! On n'est pas toujours dans cette énergie-là, là, puis sinon, on vivrait pas cette expérience-là nécessairement. Donc, essayez de générer pour autrui le plus possible d'énergie positive. Puis parce que il y a des gens, puis c'est humain, quand je rencontre en consultation, tu sais, ils me posent la question, est-ce que c'est moi qui ai créé ces problèmes, cette maladie-là à personne proche, tout ça? Oui et non. Je dirais que la première chose, c'est que c'est les perceptions de la personne qui font en sorte qu'elle vit ce qu'elle vit. Mais en même temps, comme je vous dis, s'il est dans des énergies négatives, puis que vous utilisez en solliciter d'autres à l'extérieur, ça vient pas aider. Donc, essayez dans ce cas-là, c'est au moins de vous reprendre puis d'aller dans de l'énergie positive, envoyer de l'amour et de la lumière. Je dis pas que il faut prôner positif ou négatif plus que je pense que tout est expérience. Mais quand on est dans des solutions, dans la lumière puis l'amour, c'est toujours beaucoup plus facile. Donc, parce que je pense qu'on a besoin aussi d'aller baigner dans le négatif à certains moments donnés, là. C'est ce qui nous fait évoluer. C'est inévitable, c'est ça l'expérience humaine. Mais c'est ça. Donc, j'avais le goût de vous faire part parce que c'est ça, je vois qu'il y a beaucoup d'âmes qui passent présentement. Il y a beaucoup de. Puis pas nécessairement vieilles, hein? Ça peut être à toutes les âges. Puis si vous êtes dans cette expérience-là, c'est malheureux, mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est leur choix de faire la transition. C'est leur choix de vivre la maladie. C'est leur choix d'aller vers. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, n'oubliez pas, pour les gens qui veulent les prédictions annuelles, ben, je les commence. Je commence à prendre vos demandes à partir d'aujourd'hui. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Puis, pour les questions, je vais essayer de vous répondre tantôt. Mais allez toujours avec votre cœur, votre ressenti dans le moment présent, puis essayez de voir les solutions derrière toute chose, que ce soit quelque chose. C'est sûr que quand on est dans la séparation, comme dit Francine, bon, ben là, il y a deux êtres qui sont impliqués. On n'a peut-être pas fait le choix d'aller voir ça, mais en même temps, oui, vous l'avez fait avant votre incarnation. Comment savoir si c'est la bonne chose que vous faites, Debbie? Ben, c'est clair que quand vous êtes en alignement avec votre moi supérieur, vous demandez à votre moi supérieur d'avoir, de faire ce qu'il y a à faire, les choix. Aussitôt qu'on vibre amour, lumière, c'est parfait. Quand vous êtes en alignement avec l'amour à l'intérieur de vous, mais je pense que c'est
la meilleure recette qui soit. Mais encore là, je ne détiens pas la vérité infuse. Vous devez faire vos expériences. Merci. À la prochaine. Donc, on se revoit jeudi, le 21 novembre, sur l'heure du dîner. Merci.